Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France. Pour rappel, on a l'objectif colonisation de l'Afrique, Adonf, à Bâle, choisissez le mot qui vous le va mieux. Et on avait commencé par l'équivalent Maghreb, et la partie d'avant on avait surtout stabilisé l'économie. Et aussi un petit peu l'infamie qui était particulièrement montée sur ses premières années. Alors oui, aussi, j'ai relancé le jeu, et vous pouvez voir pour les plus observateurs qu'il y a bien eu un problème de calcul sur la Mauritanie, sur l'établissement des colonies en Mauritanie. Et je sais pas si c'est un problème de calcul partout, mais ça m'a fait perdre un temps fou. On était à plus de 300 jours, là on est à 95 jours. Voilà. La différence est assez importante. Alors. Donc on va reprendre. On avait fait des outils. Ouais, on avait lancé la fabrication d'usines d'outils. On avait un peu d'agitation, des tensions, ça on s'en fiche. Et bien de gouvernement brutal coûteux, ouais ça. Ah, ça bloque encore. Regardez-moi cette poisse. Moins 15, moins 10, moins 15. Je sais pas comment c'est calculé, si c'est de la RNG, de l'aléatoire ou quoi. Il va falloir qu'il revoie un peu ça. Donc il nous explique un peu comment c'est fait. Moi je ne suis pas un joueur de Victoria 2 ou précédente version, et je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre ce genre de truc. Alors, ok, les Caraïbes, Cuba, ça on s'en fiche. On va pouvoir regarder un petit peu. Le papier est cher, plus 20%. On va faire du vide, hein. On va essayer de le payer moins cher, enfin de le... On va essayer de faire en sorte qu'il soit moins cher sur le marché. Ça nous coûtera moins cher également à l'achat. Un Gromanizan en Oriental nous a déclaré comme son rival. Ah bon? Mais je t'ai rien fait. On se connaît même pas. Je suis même plus infâme. Regarde-moi ça. Je suis honorable. Oula. Montée du radicalisme. Oula. Oui là, il y a une révolution là, j'aime pas ça. Alors, la révolution imminente en France, en train de monter du radicalisme sur tout le continent. Le continent quand même. Je comprends qu'il puisse y avoir une certaine inquiétude liée au fait que les armes utilisées dans la révolution française puissent atterrir dans les pays voisins entre de mauvaises mains. Ce n'est pas la poudre à canon qui m'inquiète, mais plutôt ce qui... pourrait la faire exploser. Tous les hommes ne sont pas intéressés par le pouvoir, mais ils estiment avoir été lésés. Mais s'ils estiment avoir été lésés, ils pourraient vouloir récupérer leur part du gâteau. Qu'est-il de plus dangereux qu'une idée que le pouvoir appartient au peuple? Écoute, plus 50 de popularité, Eugène Meunier, c'est qui ça? Les ruraux. Ouais, on va très vite passer sur une république. Hein. On va très très vite passer. Faites-moi passer la loi sur le non-interventionnisme et je vous mets votre république. Arrêtez de me faire chier. Mais faites passer ma loi sur le non-interventionnisme. Voilà, c'est tout ce que je demande. Hein. Je vais pas chercher plus loin. Je vais agrandir de 2 les niveaux d'administration gouvernementale. Le papier était encore un petit peu cher, je vais le mettre à 3. Sénégal, la colonie est terminée au Sénégal. Ici. Ah ouais? Ok.
Ici, ça veut pas fermer là le. Ah, c'est bon, ça va, c'est net. Mauritanie-Britannique, encore. Ici, on est, c'est pareil ça. Alors, ouais, une révolution se prépare. Ouais, heureusement, on est bloqué à 58%. Tahiti. Ah ouais, ça n'a pas été fini avant? Ah, je pensais que c'était bon dans les films. Ah, ça a vraiment mis un temps fou. Bon, j'ai les ports, ça me fera un peu de péon, ça me fera un petit peu de fruits, production de chasse à la baleine aussi. Ça me donnera un peu de pétrole si jamais je suis. J'en manque. Ok, alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être baisser un peu les taxes ou pas? Non. Non. Clairement pas. Ça, on s'en fiche. On va partir sur un autre type de production. Quoique j'ai du verre à vouloir. Ouais, j'ai du fer. Pardon, du verre à faire. Les explosifs sont chers. Ok, je vais pouvoir mettre le procédé solvé. C'est pas trop mal. Les clippers. On exporte une partie, ok. Là, je veux savoir le prix des manoirs. Non, c'est celui-là. Je suis pas au bon endroit, ça va pas le faire. On a plus 31. Ici, j'en produis combien? 61. Je vais faire deux chantiers navaux. Quel delta du Niger est colonisé? Ici, je vais faire que des. Ah, ça en produit 60 quand même. Ici, je vais faire que des navires civils. Ça va augmenter mon nombre de clippers. Ok, là j'ai deux ports, ah, c'est dommage, j'aurais pu en faire qu'un, c'est pas grave. Et je pourrais commencer à choper le Bénin, le Oyo, etc. Hein. Soit je suis à combien d'affaires. Ouais, mais le Sokoto, s'il se réveille, c'est cher, un peu, il fantoche. 42! Oh, Sokoto, il va être un fantoche à lui-même, hein, à lui seul, je veux dire. Surtout qu'en plus, ils ont une certaine puissance, hein. Faut pas croire. 74 bataillons, 33 de construits. Les outils sont encore chers. J'en exporte pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ça, alors le verre, on va faire du verre ici. Le verre est cher, les ressources pour le verre sont pas très chères. Peut-être avoir besoin de faire de la teinture. Allez, hop, je pars sur 4 verreries. Et là, je vais augmenter. Je vais en faire 3 de plus. Hop là. Voilà, ça fait un peu de construction. Je suis toujours à 0 dans. Je sais pas comment m'en dépatouiller de ça. Oh, je vais l'arrêter. Ça sert à rien. J'ai eu beaucoup trop de négatifs d'un coup. Même si j'ai pas mal de positifs, ça mettra trop longtemps à remonter. Là, ils sont tous ultra vénères en plus. Je peux même pas passer en République présidentielle. Je vais voir si je peux mettre un suffrage censitaire. Ça pourrait peut-être les calmer. Ou une séparation totale. Je vais faire la séparation totale de l'État et de l'Église. Comme ça, déjà. Ouais, mais non, mais ça me donne du. Ouais, ça réévaluera leur groupe d'intérêt. Allez, hop. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi, mettre des lampadaires à gaz. Je fais combien au niveau charbon? Il est un peu cher, mais sans plus.
Allez, on lampadaire à gaz. Je suis à moins 500. Et j'en exporte une trentaine. J'en exporte un peu. On a augmenté 3 niveaux, c'est pas mal. J'ai produit où les moteurs déjà? Ah oui. Dans le Limousin. C'est un peu cher, on va en refaire un. L'acier, je crois, est à un prix raisonnable. Il a l'air. Ouais, il est un peu trop raisonnable, même on dit au prix. Les notions de la Gambie est terminée. Ok, c'est cool ça. Déjà, on a freiné le. Ah non, on a. Pourquoi il y a des drapeaux du Portugal, pas de progrès? Qu'est-ce que c'est que cette trop. Il y a des trucs chelous qui passent. Pas refaire de colonie, si je peux en faire une ici. Bon, le Danemark il se bouge pas le fiac. C'est pas cool. Je vais y aller. Là ça grandit petit à petit, voilà, et ça a bien bloqué le passage, c'est cool. Alors, expiration. Quoi? Ah ouais, le Togo est isolé. Il sera plus isolé quand j'aurai pris le Congo, la Mossi et le Dahomey. Donc pas besoin de. Je peux y aller maintenant. Alors. Soit je pars sur dynamite, soit je pars sur mission colonisatrice. Les deux, c'est 5 ans. Mais la dynamite, ça va beaucoup plus me servir. Ça me débloquait déjà la dynamite, plus 25% de probabilité de découverte des ressources. Donc là, dans toutes mes mines, je pourrais utiliser la dynamite, ça ira beaucoup plus vite. Enfin, j'aurai beaucoup plus de quantité. Ce sera plus intéressant. Au niveau des sites de construction, on va faire Limousin, Bretagne, Bourgogne, Champagne, Franche-Comté, Auvergne, Aquitaine, ça donne pas mal. On va augmenter tout ça, on a encore 8 millions de paysans. Le but, c'est leur donner du taf. Donc il faut que tout soit plein. J'ai pas des universités ici. On va même faire 5 universités. Voilà. Je vais vérifier le prix du papier avant. Il est encore cher, hein. On exporte. On n'exporte pas. On va refaire du papier. On va faire 4 usines de papier. Partisans trop enthousiasme. Réprimer le parti radical. Sinon l'église. Ouais, ah putain, je peux pas le réformer. Je suis au max avec 29. Oh là là, ça c'est cata. Ouais, c'est vraiment catastrophique, hein. 4 millions de radicaux. Ouf. Tant que j'ai pas de révolution, ça me va, mais. Ok, les élections. Parti radical 80 quelques pourcents. Ok, ça me rapporte le moins de. Ouais. Bon, on va faire ça, hein. L'entièreté du parti radical. Faudrait qu'il jarte lui en vrai. Il est comment l'héritier? Cocardier, ah ouais. Non, il est pas mal, mais. Ah, faut que je change la monarchie, ça a pu. La monarchie de juillet, un peu trop duré. Le mois de juillet est passé en novembre, allez hop. Bon, ça c'est bien ça. Avec le soutien populaire. Hop, allez, on va mettre ça. Manque un petit peu de bureaucratie, mais c'est pas très grave, les apports non perçus sont pas énormes. Accord commercial avec les États-Unis d'Amérique. On va dire oui.
Mais on n'est pas satisfait de l'intégration des industriels français dans le gouvernement français. J'ai dit deux fois français, tiens. Ah, ils arrêtent pas de râler. Industriels ou ruraux, qui c'est qui en a le plus, qui c'est qui peut se permettre d'en perdre? 25% d'autorité, j'en prends du commun. Ça me ferait moins 140. Ah, un peu plus que moins 140. Je devrais être un tout petit peu dans le négatif, mais pas trop non plus. Ah non, même pas, pile. Ouais. Ok, je suis bien. On arrive à trouver un entre-deux. Je crois que j'ai des bons revenus là maintenant. Principalement, enfin, en partie grâce au centre urbain. Avec l'électricité qui fait du bien. Enfin, le charbon, je veux dire. Colonie en Texas américain. Ah putain, j'ai flippé pendant un moment, j'ai cru que c'était en Afrique. Je me suis dit, mince, il va falloir que je les foute dehors, eux aussi. Bon, la Belgique, on va améliorer les relations. Les Pays-Bas, on va améliorer les relations. Et on s'entend bien avec, hein. L'Italie, je peux pas. Peut-être. Moteur de progrès. La fabrication des moteurs à vapeur est devenue une des industries les plus rentables en Limousin, grâce à nos investissements judicieux dans la technologie des locomotives. Ces moteurs sont déjà utilisés sur les nouvelles lignes ferroviaires françaises. En voiture pour Montluçon. Grâce aux braves gens de la compagnie des locomotives à vapeur de Limoges, quitter Lyon n'a jamais été aussi facile. Le wagon-restaurant est réservé aux passagers de première classe. Les passagers clandestins seront poursuivis. c'est pas mal, hein. Nous sommes sur la voie de l'innovation. MDR, le jeu de mots. Ouais, plus 3000 de progression sur les wagons en acier. C'est parti. Technologie à fond, les gars. Ça, j'avais prévenu. Ok, et puis bah, le jambier révolutionnaire, ça m'intéresse pas. On a nos universités, c'est bien là aussi. Ah, yes. On a réussi à promulguer la séparation totale. Enfin une bonne nouvelle. Là, je peux pas mieux faire. Et au niveau des lois, j'aimerais bien promulguer ça, mais... Moins 24, moins 31, double radicaux. On a élu, c'est loin, ça me va. La bonne parole de la révolution. Bien, ça leur fait des répercussions révolutionnaires. Et moi, ça m'augmente l'approbation de deux groupes d'intérêt. Donc on va dire oui. Si c'est le bazar en Belgique, c'est pas mon problème. Bon, désolé quand même. Moins 90 d'un coup là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, purée, c'est la loi qui m'en a fait perdre 100. J'ai oublié ça. Bon, ça donne un bon négatif quand même, hein, c'est dommage. C'est pas grave. Route commerciale, 1000 en route commerciale et... Ah, pas du tout. Falloir que je fasse des vêtements. Allez, on va les faire en Normandie. Voilà, tout le monde connaît... La très connue dentelle d'Alençon. Oh la vache. Attends, je suis en déche de... Oh. Ok. On va faire une quinzaine de plantations de teinture là. Voilà, on devrait avoir ce qu'il faut pour un moment. Le surprise sera certainement vendu et on va faire 7 usines de textiles. Est-ce que j'ai ce qu'il faut en infra? Oui, j'ai ce qu'il faut en infrastructure, parfait. Je peux pas me permettre de baisser les impôts, c'est dommage. On peut pas, on peut pas, on peut pas. Ah, je suis quoi en établissement de colonie, je suis pas en exploitation. On va faire passer cette loi. Vu qu'on peut pas faire passer la République de suite, on va faire passer
L'exploitation des colonies qui va augmenter un petit peu la rentabilité des colonies non intégrées, non comment ça s'appelle, non incorporées. Voilà. J'en ai un paquet, hein. J'ai tout ça. J'en ai 21. Les clippers sont chers. Ouais. Il semblait pourtant que j'avais réussi à régler ce problème. On est à combien sur les clippers? Moins 161? Ah, route commerciale, ah, saloperie. Trouvez vers l'or, faites passer le mot en Guyane française. Parfait. L'histoire d'un mineur qui a fait fortune et qui est devenu l'homme le plus riche de la ville l'a fait le tour du monde. Les habitants de Guyane française commencent à vivre au-dessus de leurs moyens, persuadés qu'ils viendront tous riches. Ils se fassent plaisir. Ils tomberont de bien haut, comme d'hab. Pas dire, oh, je savais pas. Ah, je peux coloniser tout ça, parfait. Alors, on a déjà un bon territoire en Côte d'Ivoire. Agriculture inefficace, ça sert à nos objectifs, mais industriel, ok, c'est bon. C'est bien, ils commencent un peu à remonter. Bon, eux, ils sont pas contents. Bon, tu m'étonnes, ils voient leur fin arriver. Petite bourgeoisie, ouais. Je peux toujours pas améliorer, ok. Ah, je peux faire le procédé Bessemer. Ah, ok, Ido. J'ai des mines d'or. Je vais voir comment je suis au niveau de l'acier, si j'en produis assez ou pas. Je vais passer sur le procédé Bessemer, ça me faire produire un peu plus d'acier. Parfait, et j'aurai pas besoin d'augmenter la taille de mon acierie. Ok, impec. Là, il a toujours pas pris la sécaline. Je sais pas ce qu'il fout. Mais écoute, hein. Moi ça m'intéresse pas. En vrai, il y a la poposie qui pourrait m'intéresser. Mais... Parce que il y a pas mal de plantations. Il y a du soufre, du fer. Mais c'est loin. De toute façon, il n'y a pas du dysme grave, donc. Ouais, hop, c'est pas pour la suite. Ok. Ah, ça avance. Là, il va avoir un sacré morceau, le salaud. Nouvelle préoccupation, un bisou d'inquiétude. Inquiétude. Oh, et la petite bourgeoisie, vous me commencez à me saouler aussi. Hein. Hop. Un révolutionnaire dans notre temps. Ok, l'industriel devient un révolutionnaire. Ok. Ça va finir en communisme, tout ça. J'ai aucune idée hein, de la manière dont je veux le faire. Ma partie, mais là. Barré comme c'est. 75% de probabilité de choix positif, et là on a 60% de probabilité de choix positif. On va faire ça, hein. On est à combien 15? Ok, on a eu un plus 10, c'est bien. Ok, les Kong. Les Kong se sont soulevés, ils sont. Ouais, mais il n'y a plus rien. C'est abusé. On peut pas le faire un peu plus tôt, les gars, la prochaine fois. Petit soulèvement. Ouais, on a un QG Afrique Nord, on va y envoyer les ruraux. Et on a QG Occitanie. Ah mince. Je vais prendre le QG Sénégal, je vais renvoyer eux là, lui là. T'as que des propriétaires terriens, c'est quoi le délire? QG Italie, tu vas mettre toi. Encore un pro. Oh, putain. Ah, ça y est. Un élite intellectuel. Enfin, Frédéric d'Argassi. C'est ça? D'Argassis. On va promouvoir. Ça va lui donner plus de légitimité en plus, c'est cool. Hop là. Et là, QG Afrique Nord, on va mobiliser lui et on va aller là. Hop, voilà, on fait ça bien. Les usines de vêtements sont bientôt toutes... Hein? Elles sont pas commencé à produire?
Ah non, ils n'ont pas commencé à produire. Mais bon, dans tous les cas, j'ai la soie qui est chère là. Ouais, je vais augmenter la production de soie. Prendre la production de soie dans le Rhône et je vais lui mettre un plus, plus 10. Hop. C'est bien. On a de la construction qui se fait. Hop là, je vais rajouter deux niveaux parce que ça se vend. Là, ils sont arrivés sur le front, c'est bien. Est-ce que je peux établir d'autres colonies? Ouais, mais non, pas là. Je vais attendre que ça avance un peu plus mieux ici. De toute façon, il va falloir que j'aille chercher là, les régions à la Grande-Bretagne. Putain, à eux aussi, hein, ouais. On a quoi en construction, en bâtiment, on est en... Infanterie d'escarmouche, ok, artillerie mobile. Je vais voir ce qu'ils ont. C'est tout en bas, oui. Infanterie d'escarmouche, artillerie mobile, ouais, ils ont pareil. Bah écoute, quand ils seront sur un gros coup diplomatique, j'irai leur récupérer ça. Voilà. J'ai la flotte pour. Ok, là c'est tombé, c'est bien. Ah déjà, c'est... Ah j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer ici. Ok. Infamie, infamie. On a 0,4 d'infamie, très bien. Est-ce que j'irai pas chercher le Dahomey? Ça je peux pas. Ah purée, je suis déjà sur un coup diplomatique, c'est pour ça. J'ai récupéré aussi la Côte d'Ivoire et le Ghana. Très bien. On a l'exploitation coloniale qui est passée comme une fleur, c'est parfait. Je peux toujours pas, après j'ai les soutiens catholiques là, ils baissent au fur et à mesure, ils baissent même bien. Donc je peux attendre. Eux ils sont sous la couronne britannique, ils sont sous la couronne britannique. En vrai, si j'ai le soutien du Sokoto, ce sera vraiment bien. Ils ont une troupe sur place. Mais comme on disait, hein, il coûte cher en infamie. Connaissance de Cotovan est terminée, très bien. Donc c'est fini ici. C'est pas... Ah oui non d'accord c'est en cours, c'est pour ça. Donc on va aller sur le Bénin, je pense. Ça coûte combien ça? Faire un fantoche c'est 10-5 qui conquérait 17-5. Ah ouais quand même. Faire un fantoche. Alors, on va ressortir ça. Ouais, Bénin, Bénin, oui. Alors, Bénin, Bénin, faire un pays fantoche, ce sera mieux au début. Ils ont quand même des troupes, hein, salauds. Hein. On va mobiliser Frédéric d'Argassi. On va s'allumer quand même 50 jours. Hein. Purée. Est-ce que je peux baisser les taxes? 61 000. On va voir si ça, si je peux me permettre 61 000 sur plusieurs jours. Niveau vêtements, là on devrait être bien. C'est pas vrai. C'est une blague? J'en produis si peu que ça là. Attends, j'ai des méthodes de production quand même.
Quand le feu dans le lanceur, ok. La Grande-Bretagne soutient le Bénin dans son coup diplomatique contre la France. Alors. Très bien, c'est là où ça se complique. On va mobiliser et on va aller chercher des territoires à Grande-Bretagne. Et c'est là où on va essayer de. On va essayer d'être malin. Alors on mobilise. Ouais, j'ai besoin du QG. On va prendre le QG Occitanie dans un premier temps. On va prendre lui. Il y a les calculs Renault, avec un peu de chance, il y passera rapidement. On va le promouvoir. Mobiliser, hop. Et on avait encore un autre. Bandit, hédoniste. C'est pas ouf les stats, hein. Mais bon. Hop. Hop, et un petit dernier. Voilà. Il est là. Je vais juste lui demander de défendre. Par contre, je vais avoir besoin de d'escorter là. Je vais avoir vraiment besoin d'escorter à ce niveau-là. Et là, il me faut double escorte. Tant qu'il m'attaque pas sur mes. Ouais, d'accord, ouais, j'ai fait tout ça pour rien, ouais, c'est cool. Mais ce qui fait que je peux pas attaquer l'anglais maintenant. Non. Si. Si. T'inquiète pas que j'attends. Bon, on a le Bénin. C'est une bonne chose. On va maintenant passer à l'Oyo. Donc 16 décembre 1847. Oyo. Le Bénin a abandonné, on va faire un fantoche. Les tis, ta famille, c'est bon, on est toujours dans nos clous. Rien en construction, c'est pas bon. Et en vêtements, ouais, on disait en vêtements, c'est pas bon, c'est fou ça. C'est important. 800, ouais, c'est. Ça fait un paquet quand même. On a un négatif ici de soi, la vache. On va en mettre 10, hein. Trop le choix. Là je vais en refaire 5 et il me semble que j'avais aussi un petit peu le meuble qui commençait à être limite. Ils en produisent en Île-de-France. Bourgogne non aussi. Ouais, ils en produisent. Ouais, mais en Bourgogne j'ai les outils. Ouais, plus les fers en Franche-Comté, c'est mieux. On va faire 5, on va en faire 7, on va arriver à 15, ok. Et là, je lui en mettrais bien encore 5. Voilà, hop, allez, hop, voilà, c'est ce qu'on va faire. On a l'air d'être bon au niveau budget, on peut se passer de 60 000. Ça fera un peu moins de radicaux. Là. On peut toujours pas. Hein. Est-ce que j'ai moyen de faire baisser. Ouais, monarchie, ouais, mais sa monarchie, je peux pas faire baisser à part en leur tirant. Et c'est ce que je cherche à faire. On a découvert en Zacatecas, pardon. Je ne sais plus lire. On va aller loin comme ça. Donc là, on va envoyer les troupes à l'Oyo. En Oyo, 45 jours. Vont-ils inviter les Anglais encore une fois? Je ne sais pas, écoute. Oui, ils invitent. On sait pour abandonner encore un qui est.
Peut-être moyen qu'il reste, dit cette fois. On va les mobiliser. Il faut absolument que j'en ai sur ce front-là. On va les envoyer sur tous les autres fronts Afrique. Pas si on envoyait peut-être on envoyait à Gibraltar hein. Ouais, on envoie à Gibraltar. Ok, par contre lui s'il reste comme ça, alors on va lui demander de prendre un port de traité. On va lui demander le pomme de traité de Home Counties. Comme ça si l'anglais il vient m'embêter, j'ai le port de traité à côté de sa capitale, je lui bouffe sa capitale. Bien évidemment les réparations et on va voir si on peut lui faire libérer. Le but c'est de l'affaiblir, hein. Libérer le pays, non pas libérer le sujet, pas transférer, libérer le sujet. On va voir si on peut lui faire libérer les Indes. Non, on peut pas, dommage. Australie, Sierra Leone, ouais, mais ça m'intéresse pas. La Grèce, les îles Ioniennes, ouais, si le Sierra Leone ça m'intéresse ça. En Afrique. Libérer également la Belgique et libérer le Danemark, ce serait bien. Voilà. J'ai personne dans les mers des Caraïbes. Ah, je peux pas, dommage. J'aurais essayé. Bon, on va remettre les taxes normales. Soutien les Pays-Bas. Les Pays-Bas soutiennent les Pays-Bas dans le coup diplomatique contre. D'accord. Ils soutiennent les. C'est bien ça. J'adore. Ok, les Italiens, ils commencent à à pas trop m'aimer. Ils font leur vie, ça m'intéresse pas non plus. Là on est en défense, normalement il devrait pas passer Gibraltar. Ok, il a commencé à défendre un petit peu là ses frontières africaines. On est occidental, ok. Ok, là tant qu'il est pas là, c'est bon, une fois qu'il sera là, je veux. Hop, ouais. On va juste défendre le front ici, hein, pas besoin de faire plus. Ok, aux armes. Normalement, je vais censé le bouffer sur pas mal de fronts. On va le laisser attaquer, on va le laisser s'épuiser un peu, si on peut. Alors. On va juste faire en sorte que le Oyo tombe rapidement. On va prendre les navires qui sont affrétés pour le ravitaillement et on va les faire bouffer les. Oh bah purée, je vais déjà bouffer tout ça là. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Il est où lui? Ok. Je peux même te dire, toi tu vas là? Ok, parfait. Et toi avec le 13, tu vas là. Bon, alors on va lui bouffer tous les petits territoires hein, qu'on peut. Il doit être entendu, c'est parfait. Là en défense, c'est parfait aussi. Ah, le Maroc qui essaye hein, de prendre Gibraltar et qui était pas loin en vrai. Hein. Attends, attends, non. C'est une blague? Il va quand même pas prendre Gibraltar. C'est la première fois que je vois Gibraltar tomber aussi facilement, les gars. Oh! Mais quoi? C'est fou. Pourquoi y a personne sur ce front là? Je dois tous vous foutre au même endroit. Maintenant, attaque pas. Oh, couillon de toi. Je t'ai dit de défendre. Je t'ai pas dit d'attaquer. Hop, allez, va là-bas. Ok, là ça se passe comment? Ça se passe bien. Merde. Ah, et je vois que ça fait déjà plus d'une demi-heure. Donc on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Désolé, il a été un peu plus long. Je n'ai pas vu du tout le temps passer. On reprendra, vous en faites pas, dans le prochain épisode là, on s'est arrêté. Donc je vous remercie d'avoir suivi.
C'était Thiom. Ciao!